Bon, tout va bien? Bah, jusque-là, ça va. Tout va bien, mais bon. Bah, tu vas pas avoir froid, toi. Guy va pas avoir froid. 67. Tout va non, bien. Il fait chaud, il fait beau, c'est agréable. Et on est content d'être là. Calypso, c'est chouette. Elle encourage. Donc, traditionnellement, on fait parler beaucoup de pilotes. On va écouter, on va leur éviter cette épreuve également. Par contre, il y a deux personnes que je ne veux pas éviter. Il s'agit bien sûr de Monsieur le maire Saint-Exupéry, qu'on peut remercier parce que l'appui qu'il a donné au motoclub, façon pour qu'on puisse avoir une épreuve pareille, elle est impressionnante. Et bien sûr, le président. Donc, privilège de l'âge, on va commencer par Monsieur le maire. Privilège de l'âge, c'est monsieur. Oui, bon, merci à tous. Merci à tous les concurrents qui ont bien voulu se déplacer jusqu'à Saint-Exupéry, jusqu'à Haute-Corrèze. J'espère qu'ils ont eu un accueil chaleureux, qu'ils ont passé une bonne journée. Merci surtout à tous les organisateurs qui ont travaillé depuis un an, je pense, peut-être un petit peu plus, pour vous préparer un circuit tel que vous l'avez trouvé aujourd'hui. Des spéciales, des autorisations, enfin, ils ont beaucoup travaillé. Bon, je vais être bref aussi parce que je crois que tout le monde veut rentrer chez soi maintenant, parce que moi j'ai pas fait grand chose, j'ai un métier, donc ceux qui ont fait de la moto toute la journée, je pense qu'ils sont beaucoup plus fatigués que moi. Je donne la parole à François. Merci à tous et bon retour et bonne journée. Oui, donc moi je vous remercie aussi tous d'être venus déjà sur notre épreuve. Je vais remercier aussi donc bien sûr monsieur le maire de Saint-Exupéry, toutes les communes qu'on a traversées, bon, les autorisations évidemment, avec les propriétaires privés. Et puis surtout merci à toute l'équipe du motoclub parce qu'ils ont fait un gros boulot. Voilà, donc merci pour eux. On va faire les juniors. Geoffrey Bouissou. Geoffrey. Ah oui, il est là. Je parle d'un junior quand on voit le bébé arriver. Victor Lemercier. Il est parti, Victor. Et Florian Gorce. Florian Gorce, c'est un représentant, je suppose, pour Victor. Alors, il nous faut la coupe de Victor. Et Florian? Voilà, bon, on en a deux sur trois. Florian. Elle a une belle poignée de main. On remercie. Alors, bon, attendez. Florian, la différence aujourd'hui, elle s'est jouée sur quoi? Première enduro. Ouais, voilà. Ça a été un peu leur physique, je pense. C'était venant des chiens. Voilà, ça sort du fond du cœur. Allez, on vous remercie. C'est vrai que c'est un exercice. Scratch Fugain. Allez, on va attaquer. Avec Willy Rouillé. Willy. Ouais, je m'en doutais, il a dû partir. Swan. Il était caché. On a le numéro 2, Swan Servagen. Et c'est. Eh ben, Willy, on a un représentant pour Willy. Part pas, Swan. Hein. On a un représentant pour Willy. Et bon, un, je ne sais pas si on vous le présente. Seb Arvis. Voilà, j'en tiens deux. Ils nous ont fait des scratchs, ils nous ont fait le spectacle toute cette journée. Alors Seb, ça serait un peu... Voilà, on peut l'applaudir. Seb, t'en vas pas. Parce que...
même si tu n'es pas impartial parce que tu fais partie du motoclub, tu nous donneras un peu ton impression. Mais alors Swan, toi tu es un habitué des podiums, Brioude, on s'est vu il n'y a pas longtemps, ici, sincèrement, quelle différence tu as trouvé sur cet enduro par rapport aux autres enduros que tu as à faire habituellement? On avait un très beau tracé, difficile, on nous a pas ménagé au niveau du tracé, c'était vraiment bien. Des temps serrés, on a plus trop l'habitude d'avoir des temps comme ça. Et un super beau CHTR aussi, donc vraiment une belle course. Une belle course. Et cet extrême, bon, toi tu cours en Ligue 1, pour une épreuve comme celle-ci, tu en penses quoi? Le niveau est assez relevé pour l'extrême et il y a eu beaucoup de boulot, je pense, par les organisateurs de fait dessus. Et c'est vraiment bien. Voilà, on te remercie Swan. Pas tout de suite. Seb, bon, toi ton bilan de la journée. Alors jusqu'il y a une heure, il croyait encore être le premier. Hein. Premier en féminine. Donc, toi, cette journée. Moi je suis un peu déçu effectivement parce que je pensais être classé en féminine. J'avais tout préparé pour. Et en fait, je suis classé avec les Ligue 1, donc je suis un peu déçu pour ça. J'avais sorti un super équipement hier. Non, plus sérieusement, c'était un top enduro. Je pense qu'encore le motoclub de Corrèze a montré sa passion de l'enduro et au vrai sens du terme, avec des CH qui étaient plutôt serrés, mais qui permettaient, je pense, à tous les pilotes, quel que soit le niveau, de se faire plaisir, parce qu'il n'y avait pas de grosses difficultés, donc même les pilotes qui roulaient un peu plus en loisir pouvaient trouver leur compte. Et je pense que le curseur était mis au bon endroit pour que ce soit, par contre, dur physiquement, mais accessible et vraiment de prendre plaisir. Donc très bien. Voilà, on vous remercie messieurs. Alors ça c'était, n'oubliez pas, les classements scratch. Un jour mon père me dit, fiston, oh la belle je plante. Dois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est pas ce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, mais crois-moi plus fou. Belles, belles, belles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir. Judas, 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 God.